Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu de sa créatrice Manon Bailen pour pouvoir le partager avec vous et je suis trop contente. Il s'agit de l'oracle Le ventre des femmes, euh, donc qui a été fait par Manon Bailen et Angélique Guillemet et qui a été édité aux éditions Le Duc et Zo. Voilà, déjà moi j'aime beaucoup euh, l'illustration de la boîte, j'aime beaucoup les couleurs et, et l'illustration que je trouve très très jolie. Donc c'est un jeu qui est au prix de 24,90€ euros et vous le trouvez bien entendu partout sur Amazon, la Fnac, en librairie certainement aussi. Alors on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Le ventre des femmes, berceau de la vie, notre ventre est aussi le chaudron fertile où naissent nos projets et où se dirigent nos émotions. Avec les tirages de cet oracle, vous prenez un temps pour écouter votre guidance intérieure et accueillir vos ressentis. Chaque carte vous invite à plonger au creux de l'intime pour en découvrir les mystères. Intuition, créativité, sexualité, puissance. Vous ouvrez la voie d'une connexion plus profonde à votre, entre, à votre ventre. 42 cartes et un livret pour vous reconnecter à votre créativité. Donc ici, vous avez un exemple. Et on nous dit auteur de sensible et alors Manon Bylon est aussi praticienne en soins énergétiques et massages, notamment le massage du ventre chine-tsang et le massage femme enceinte. Angélique Guilmet est une artiste peintre dont les créations intuitives et colorées tissent des liens entre la nature et l'humain. Voilà voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. La boîte n'est pas grand format, euh, elle est très, elle est très, c'est un chouette format je trouve. Voilà. Je pas les grosses boîtes coffrets. L'intérieur est comme ceci. J'aime beaucoup la couleur qui fait écho à ah, la boîte évidemment. On a un ruban pour sortir les cartes et le livret du coup. Et l'intérieur, j'ai même pas encore enlevé le petit le petit le petit machin en papier. Je sais pas comment on appelle ça pour relier les cartes. Donc l'intérieur est vert comme ceci. C'est le truc d'ailleurs que j'aime pas trop parce que ça a tendance à parfois abîmer les cartes. Donc il faut être délicat. Et je ne suis pas toujours délicate. Voilà, donc on a le livre ici euh, qui est assez épais. Hein. Il fait oui, quand même plus de 220 pages euh, avec des couleurs. Moi j'aime bien quand il y a des couleurs. Voilà. Du coup, on va regarder ce petit livre ensemble. Alors, on a un sommaire avec une introduction à propos du ventre, présentation du coup de l'oracle, comment l'utiliser, et ensuite on a plusieurs familles de cartes, la famille des naissances, des créations, la famille ombre, transformation, réconciliation, les figures divines et les familles transcendantes. Et un petit mot du coup sur les créatrices. Et euh, c'est ça qu'on retrouve ici, les différentes couleurs des différentes familles. Du coup, c'est même facile pour aller les retrouver dans le livre. Alors, on a une, une petite introduction hein, et elle nous explique euh, comment elles se sont rencontrées et comment euh, en est venue la création de ce jeu. À propos du ventre, ici, elle va vous expliquer euh, un petit mot euh, sur le ventre. Présentation du coup de l'oracle des femmes, l'intention de l'oracle, donc cet oracle est une invitation à entrer à l'intérieur de toi, à écouter ton ventre pour trouver tes réponses. Et si c'était de là que viennent ton authenticité, ta liberté, tes désirs, ton énergie ou ta puissance Le dos des cartes ne fait... Te fait une proposition, descendre dans les profondeurs de ton ventre et de ton inconscient, guidé par la lune, guidé par la nuit et les étoiles. Voilà. Donc présentation d'une carte. Elle vous explique donc que chaque carte apporte un prisme de regard sur soi. Elle met en lumière une facette de soi. Elle invite à prendre en considération le tout plutôt que de chercher à analyser, à comprendre, à disséquer les situations ou les émotions que l'on traverse. Chacune est une proposition, une invitation à contacter sa propre vérité. Parmi les utilisations possibles du livret, nous aimons bien piocher une phrase qui peut nous accompagner pour la journée, ou encore ouvrir le livret au hasard sur une idée de pratique. Chaque paragraphe peut être lu séparément. Tu peux choisir de faire un tirage uniquement pour la pratique, pour recevoir une guidance, pour lancer une méditation accompagnée d'une présence, pour lire des mots-clés inspirants. Tu peux extraire une carte du jeu pour qu'elle t'accompagne au quotidien en la posant sur ton bureau ou ta table de nuit. Ou vous pouvez, par exemple, comme je vous ai déjà dit, prendre une photo avec votre téléphone et comme ça, vous l'avez avec vous toute la journée et ça vous permet euh, bah, de la regarder quand vous en avez envie ou même de la mettre en fond d'écran. Euh, on, on devient moderne hein, avec, euh, avec le temps. Voilà, tu peux aussi poser une carte sous un verre d'eau pour qu'il s'imprègne des énergies qui te conviennent en ce moment. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Donc du coup sur les cartes, on a des mots-clés qui te permettent d'avoir une vue synthétique mais non exhaustive, des thèmes abordés dans une carte. Donc si tu veux un tirage rapide, tu peux te référer uniquement à ces mots et sentir ce qu'ils éveillent en toi. Ensuite on a un mantra, moi j'aime bien quand il y a des mantras, des petites phrases, mantras répéter comme ça dans la journée. Chaque carte est proposée avec un mantra. Tu peux aussi lire uniquement le mantra de la carte en mode découverte. Ensuite, on a le texte de la carte. Nous avons fait le choix pour cet oracle d'avoir un ensemble de cartes assez éclectiques. Chaque carte porte sa propre énergie et vient avec son ambiance et matière. Certaines cartes sont peintes à la gouache, d'autres à l'aquarelle. Certaines sont mixtes et d'autres font appel au collage. De la même manière, les textes sont écrits librement et le ton diffère parfois d'une carte à l'autre. Voilà. Alors présence associée. Comment aborder la rubrique la rubrique présence associée Comment relationner avec les présences À toi de voir selon ton degré de perchitude du moment. J'aime bien ce mot de perchitude. Nous te présentons ici des figures mythologiques, des archétypes de l'inconscient collectif, des esprits guérisseurs du chamanisme. Tu peux voir cette rubrique comme des légendes, des mythes et des contes à découvrir. Certains te donneront peut-être envie d'aller plus loin et de t'informer sur une tradition ou une culture. Ensuite, on a un petit mot sur la pratique. Donc l'espace pratique de la carte propose un temps pour toi, pour prolonger la rencontre avec la carte et son ambiance. Quelques indications peuvent te servir de guide. Parfois, quelques images serviront de support à une méditation. D'autres fois, tu trouveras des idées d'exercice créatif. D'autres fois encore, tu recevras une proposition de respiration ou un exercice corporel. La plupart de ces pratiques pourront être faites si tu es seul chez toi, mais si tu le souhaites, tu peux demander à une personne, un ami, un thérapeute de te guider dans les exercices. Donc là, c'est vraiment la, le, la pratique, c'est un exercice qu'on vous propose. Comment utiliser cet oracle Du coup, la prise en main. Elle vous explique que même si vous n'y connaissez rien aux oracles, ben vous pouvez très bien le recevoir comme premier jeu. Voilà. On a des exemples de tirages. Le tirage inspiration en une carte, ça c'est un peu le mot de, de tirer une carte pour avoir une inspiration pour la journée, hein, comme on a dit. Ensuite, on a tirage changement de regard en deux cartes. Euh, on peut faire appel à ce tirage pour changer d'angle de vue sur une situation avant d'agir, pour aller voir les choses autrement. L'oracle devient alors un ami avec qui dialoguer pour changer de regard et voir le contexte dans son ensemble. Ensuite, on a un tirage d'exploration en trois cartes qui nous permet d'aller explorer plus en profondeur une situation. Choisis une situation sur laquelle tu souhaiterais avoir un éclairage, comprendre ce qui est en jeu, éventuellement ce qui bloque, ce qui a besoin d'être vu à l'instant T, par exemple ma relation avec telle personne. Voilà. Ensuite, tirage intuition de une à trois cartes euh, est considéré comme un entraînement de ton intuition pour aller à la découverte de la sagesse de ton corps, à l'écoute de ton ventre et de tes tripes. Attention, avec un peu de pratique, tu seras peut-être bluffé. Voilà. Alors, précaution, appel et discernement. Voilà. Ça, je vous laisserai lire. Ensuite, on va à la première famille de cartes, la famille des, de la naissance avec l'illustration des cartes. Du coup, on a son numéro et son titre, ici origine de la vie, l'illustration en couleur de la carte, ses mots-clés, euh, le mantra, le texte. La présence associée, qui peut être associée, comme elle l'a dit, à une déesse, une présence mythologique, etc. Et la pratique, le petit exercice. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. On en tirera une à la fin et je vous lirai du coup le message. Comme ça, vous aurez une, une idée de ce qu'il vous propose. Donc un petit mot du coup sur la, les créatrices, sur la conception de l'oracle. Euh, ça, c'est pas, chouette aussi à lire. Euh, Angélique vue par Manon, du coup, et Manon vue par Angélique. Voilà. Euh, ici, on a Manon avec tous ses coordonnées. Et ici, Angélique avec tous ses coordonnées également. Une partie aussi, euh, note si jamais vous voulez écrire certaines choses. Donc, il est très fourni et il y a quand même pas mal d'infos pour chaque carte. Du coup, on va les regarder ensemble. Mais déjà, je vous montre le dos avec cette lune et ces étoiles. Euh, c'est chouette, c'est joli. Euh, la tranche est plutôt rose rose gold, je dirais. C'est bien assorti au rose de la boîte. Euh, ça va bien ensemble. Je vais essayer d'attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Elles sont pas très très grandes. Ce euh, C'est pas les toutes grandes cartes. Euh, ceux-ci sont presque de la hauteur d'un tarot plus large aussi. Et du coup, elles tiennent bien en main. Voilà, la qualité est top. Elles ont un fini glossy. Comme ça, vous savez tout. Du coup, on va les regarder ensemble. Donc, ici, on a l'origine de la vie. La mère et l'enfant. Le refuge. Ah, ici, elles sont encore collées. Pourtant. Les racines. La tendresse, j'aime beaucoup les illustrations. La terre mère, oh, est jolie celle-ci avec la terre, l'arbre et le serpent là-dessus. Très très jolie. Le serpent endormi, eh ben, il est beau celui-là avec des couleurs. Moi qui ai un peu peur des serpents, ben, celle-ci je la trouve très jolie. La nouvelle terre, elles sont vraiment jolies les illustrations. La joueuse avec les, les petits dauphins, c'est très joli aussi. L'artiste. Avec une étoile filante. La sensuelle, elle est jolie aussi. Le jardin fertile avec l'illustration du coffret. L'ogre. Les problèmes. Ceux-là sont tout de suite, on le voit, elles n'ont pas autant de couleurs. On voit tout de suite que ce sont des, des illustrations euh, à connotation plus sombre. Je trouve du moins. Les garments dans le labyrinthe. Le couple divisé. L'impuissance. Oh elle est jolie celle-ci. Le ventre de la baleine. Oh, c'est magnifique. J'adore les baleines aussi. Vous allez me dire, tu dis ça de tous les animaux. Oui, c'est vrai. Je le dis de tous les animaux. Le silence. La violence. Elle est jolie aussi celle-ci. La révolte avec un toucan, elle est trop belle. La carapace, elle est jolie aussi, celle-ci, avec cette tortue. Le désir. La guérison. La joie de l'enfant. Le siège de l'âme. La toile des liens. C'est pense à du mimosa. Ce serait beau. La bénédiction, elle est jolie aussi, celle-ci. L'union intérieure. Et bon, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de bordure. Donc, on plonge vraiment dans les images. L'habitat, l'habit original, plutôt. originel. je vais y arriver. L'habit originel. Isis, elle est très jolie aussi, celle-ci. Tara, très belle aussi. Marie-Madeleine très belle aussi. J'aime bien l'effet de je ne sais pas ce que c'est mais c'est très joli. Keridwen, elle est très belle aussi, Keridwen. Tiamat. On voit l'aquarelle ici, j'aime bien l'aquarelle. Kali. L'alchimiste. La magicienne. Oh, elle est jolie aussi celle-ci. Oh. Entre ciel et terre, celle-là aussi est jolie. La rayonnante, oh elle est belle. Avec cette femme enceinte et se ce serre. Oh la réceptive et l'océan d'énergie. Voilà, voilà. Donc on va les mélanger ensemble et on va en tirer une. Et j'irai vous lire du coup ce qui est écrit dans le livret. Comme ça vous verrez un petit peu euh, tout ce que ça propose. Elle se mélange très très bien. Comme vous le voyez, elle glisse très bien. Youp. On va les étaler. Elle s'étale super bien aussi. Et on va prendre celle-ci. Hop La révolte. Avec le toucan. Du coup, on va aller chercher. Ah ben, ça, alors, j'ouvre le livre et je tombe dessus direct. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Alors, pour les mots-clés. Écouter son cœur, libérer la colère, porter sa voix et ses couleurs, oser s'affirmer, sortir du monde autodestruction, du mode plutôt autodestruction, pacifier ses relations. Le mantra, j'ose porter ma voix, ma vision du monde soutient la vie et la vie soutient ma vision du monde. Alors le petit texte, enfin petit, le texte. Je suis en colère, je ne comprends pas. Je suis en colère contre les autres de ne pas voir, de ne pas changer, de ne pas être conforme à mes désirs. Je suis en colère envers moi de sentir toutes ces attentes alors que je sais bien dans mon cœur que chacun fait sa route et son chemin. Je m'en veux, je sens un caillou dur et noir de haine en moi et j'ai honte alors je pleure et je sens mon caillou tout dur s'effriter sous la pluie mais il me reste ça l'incompréhension, l'injustice et l'envie de révolte. Sous couvert de vouloir bien faire, de ne choquer personne, de mesurer mes propos, je me tais et j'attends. Mais j'en ai marre de me taire, et je sais que chaque voix compte. Il y a dans mon ventre cette voix qui gronde. La révolte est le premier mouvement de l'être quand il est pris dans l'absurdité. Alors, même si je m'exprime si ce que j'exprime est imparfait ou incomplet, même si ma pensée sera sans doute amenée à évoluer, à être mieux informée ou précisée, je fais du mieux que je sais faire aujourd'hui. J'exprime et je laisse faire mon cœur me porter vers l'action. Je sens que ma vision du monde est soutenue par la vie. Je vais venir un peu plus près peut-être. Hein cette carte t'invite à aller observer s'il y a en toi une colère bleue, une rage qui peut faire peur tourner vers l'intérieur, comme si tu cherchais à la contenir. Tu sais, elle risque de se tourner contre toi. Peux tu la transformer en colère rouge et la laisser s'exprimer à l'extérieur? Une petite flamme qui devient brasier, auprès duquel tu pourrais te réchauffer. Tu sais, elle est légitime, ta colère. Elle te montre qu'un besoin fort pour toi n'est pas respecté. Comment peux-tu laisser ta colère devenir un guide, un fouet pour avancer Un ventre révolté est un ventre prêt. Il est temps d'accueillir la femme capable de s'autoriser, prête à s'affirmer. Ta révolte est l'opportunité d'une révolution intérieure. On devient capable de transformer le monde quand on s'est pleinement autorisé à changer sa vie. Alors, présence associée. L'esprit du Toucan vient te rendre visite aujourd'hui avec ses couleurs et son large bec sa manière de sautiller et ses, cru... ses cris bruyants le toucan révèle le désir d'être vu et entendu il t'invite à sortir de l'ombre et à dévoiler toutes tes couleurs il existe de nombreuses espèces de toucans avec une grande variété de plumages colorés tu peux faire appel au toucan pour mettre de la couleur dans toutes les sphères de ta vie il t'invite à oser être toi sans avoir besoin d'attirer l'attention ou de faire le clown pour être vu le toucan t'aide à porter ta voix et à renforcer ton estime de toi. Le toucan enseigne l'art de la parole. Les mots peuvent être libérateurs, transformateurs ou destructeurs. Par ailleurs, son gros bec est très léger et libère de la chaleur. Il a l'un des meilleurs systèmes de régulation de température au monde. Il nous montre qu'il a plusieurs manières de réguler sa température ou d'évacuer sa colère. Alors, la pratique avec le petit exercice. Cette carte invite à explorer l'écriture libre et intuitive. Sans attente, sans objectif, tu peux essayer par exemple d'écrire le matin en te levant ou encore installer dans ton lit avant même de poser un pied à terre. Tu peux y déposer les premières choses qui te passent par la tête, y raconter tes rêves, tes pensées récurrentes, y gribouiller des dessins ou raconter une histoire. Bref, comme tu le sens. Installer, Installer un rituel spontané comme celui-ci permet de te vider la tête, de libérer des émotions et de contacter un espace plus libre et créatif en toi. Voilà, voilà pour ce magnifique petit message. Il euh, y a beaucoup de choses hein, par carte et on retrouve ici le fameux esprit du Toucan que j'avais repéré directement. Voilà, moi je le trouve vraiment très très chouette. J'aime bien les illustrations, j'aime bien bah, tout ce qui découle, hein, les mots-clés, les mantras. Euh... Justement, euh, le texte, euh, la présence associée, je trouve ça très original et euh, le côté pratique avec à chaque fois un petit exercice. Euh, voilà, bah du coup, euh, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour ce jeu, euh, il n'est pas sorti euh, maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Donc peut-être que vous avez déjà craqué, ou que vous l'avez mis dans votre wishlist ou peut-être que vous ne le connaissiez pas du tout et que vous venez de le découvrir avec moi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous